Et c'est moi qui reprends l'antenne, donc je suis contente de vous retrouver, je suis Solène Réveil. Bienvenue dans votre émission Voyance à la Une pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc votre émission Voyance à la Une, c'est de minuit à 1h10 du matin. Et pour me poser vos questions, le 32 55, n'hésitez pas à appeler le 32 55. Il me semble que nous avons quelqu'un en ligne. Allô, allô? Oui, Solène, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Alors Florence, je vous ai eu tout à l'heure. Ouais. Ma petite Florence, ok, super. Alors, 20-11-67. D'accord. D'accord, cycle 9, décidément. Voilà. Et donc, c'était par rapport à Frédéric, 14-02-69, vous m'annonciez son retour. Oui. Il n'est pas bien dans la relation avec qui il est actuellement. Comment elle s'appelle, cette autre personne? Christelle. Alors, je regarde. Qu'est-ce qu'il vit avec Christelle? Qu'est-ce qui se passe? Il est dans quel coin? Dans le 31, on est. D'accord. Alors. Il y a beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions. Le diable, c'est les rapports un peu conflictuels, etc. Il y a une restructuration dans leur vie, la matérielle. Est-ce qu'il y a eu des projets, des choses comme ça, sur le plan financier ou peut-être au niveau de la maison ou du travail? Je ne sais pas du tout. Il y a quelque chose qui a été déstabilisé. Alors, attendez. Donc, il vous en parle un peu, non? Non, je n'ai aucun contact. Non. C'est un peu compliqué comme situation apparemment. Mais on trouve un compromis, il y a une négociation, il y a des accords. On trouve quand même des compromis, donc ça devrait l'aider un peu à passer ça. Je ne vois pas trop de souffrance en fait, donc ça a l'air d'être assez fluide. Il faut garder espoir. Pas évident pour vous, Florence, vous avez l'air toute triste. Il va se séparer? Ouais, moi je pense qu'on finit inévitablement par... Mais ça se passe pas mal, curieusement. Ça se passe pas mal, donc c'est important. Avec elle? Ouais, la séparation. Ça, c'est pas des conflits, je vois pas de conflits terribles, des choses, des déchirements, des trucs comme ça, quoi. Ils s'entendent plus, enfin bon, il n'y a plus rien. Ben, ça fait un moment que ça couvre, cette situation, hein, par rapport à elle. Ah bon, je sais pas du tout. Moi, j'ai l'impression. Et vous êtes toute triste, ça va? Donc, vous le voyez revenir sincère et en se disant qu'il est... Ben ouais, moi, j'ai pas de... Attendez que je revérifie de lui et vous, lui vers vous. Lui... Alors, comment ça se passe entre vous? Quelle va être l'évolution? Il est un peu dans le doute, il ne sait pas trop. Il est fragilisé quand même. Hein. C'est jamais anodin hein, quand on se sépare de quelqu'un. Donc, il y a une petite période où vous ne le sentirez pas forcément super à l'aise, mais c'est normal. D'accord? D'accord. Mais il est convaincu que c'est avec moi qu'il veut revenir. Oui, moi, je n'ai pas de... Alors, attendez, trois cartes. Est-ce qu'il y a une stabilisation par rapport à ça? Parce qu'on était ensemble depuis 16 ans, il est parti avec elle. Moi, je pense qu'il y a une certaine harmonie avec vous. Il a beaucoup d'angoisse, en fait. Il est fragile un peu, hein, psychologiquement, lui. Oui, oui, oui. Il est très déstabilisé par tout ça, donc c'est pas quelque chose qu'il vit facilement. Donc on a forcément ces périodes d'interrogation, de doute, qui cassent un peu l'harmonie que vous avez tous les deux. Mais ça n'empêche pas les sentiments, quoi. Il faut le laisser faire la part des choses, il faut qu'il réalise un petit peu tout ça. C'est peut-être un petit peu délicat. Et c'est ce qui fait que vous avez l'impression qu'il n'est pas forcément branché, je dirais, entre guillemets, sur vous, quoi. Mais ça, c'est parce qu'il a des moments où il se pose plein de questions, ce qui est normal, hein. C'est même plutôt sain, hein. Il vaut mieux qu'il se pose des questions, qu'il aille au fond de ses interrogations et qu'il revienne vers vous en étant sûr de lui, quoi. Vous voyez? Non, non, vous laissez-le faire, vous ne faites pas de soucis. D'accord, donc je le laisse revenir tranquillement, quoi. Ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas de soucis. Il n'a pas besoin d'aller le chercher. Il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur avec elle. Je pense que... Alors, attendez, je regarde. Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à tout ça? Il ne vous en parle pas du tout. Il n'y a pas d'échange du tout entre vous deux. Non, on n'a aucun échange. Je pense que... Je pense qu'en fait, il se rend compte qu'il a été... Il y a eu une coupure entre vous. Il y a eu quelque chose qui est mal passé. Donc, du coup, voilà, il est allé un peu au-devant d'autre chose. Il a eu besoin de respirer un petit peu ailleurs, quoi. C'est une étape transitoire dans sa vie. Ne vous inquiétez pas. Mais laissez-lui le temps. Et qu'est-ce qu'il ressent pour elle? Je pense qu'il est plutôt dans une période de doute, quoi. Donc c'est un peu confus tout ça. C'est pour ça que je vous dis, laissez-lui le temps. D'accord. Je vous fais plein Merci de gros beaucoup. Bisous, en tout cas. Pensez Merci à vous, beaucoup. Pensez à vous. Je vous embrasse bien fort. Alors, il est 14h, presque 15. Nous sommes ensemble dans votre émission Voyance à la Une jusqu'à 1h10 du matin. Je suis Solène Réveil, 32-55 pour me poser toutes vos questions. On a peut-être quelqu'un en ligne? Allô, allô? Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Muriel. Ça va, Muriel? Ça va. Vous êtes où? Dans quel coin? En Bretagne. D'accord. Quelle est votre date de naissance? 17
64. Petite balance. Une petite balance. 5, 10, 11, 12, 13, 14. Vous êtes en cycle 5. Donc, c'est une année plutôt sentimentale. Vous êtes rentré en cycle 5 à votre anniversaire. Et vous rentrez en 6 l'année prochaine aussi, qui est une année sentimentale. Donc, c'est bien, quoi. Alors, ma petite Muriel, qu'est-ce qu'on vérifie aujourd'hui ? Je voudrais savoir mon avenir sentimental. Alors, que des amoureuses ce soir. On n'a que des amoureuses. C'est chouette, ça. Alors, Muriel, effectivement, et la Bretagne. C'est chouette, la Bretagne. Super. Alors, Muriel. Alors, Muriel, ça a été un peu délicat. On a traversé une zone de turbulence, là, hein, vous, de votre côté. Oui. Beaucoup de doutes, il y a eu une rupture ou il y a eu un truc un peu abîmant, là, quelque chose qui vous a fracassé un peu, non ? Oui. Il y a combien de temps de ça ? Ça s'est passé quand ? Cette année. D'accord. Bon, moi j'ai un renouveau pour vous. Il y a quelque chose. On a le paradoxe là. On a le gros fracas ici avec la maison Dieu, le diable. Du coup, ça entraîne plein de doutes. Vous remettez tout en question. C'est pas facile pour vous de vous remonter, de vous reconstruire. Et derrière, j'ai le battleur, donc le renouveau, la créativité nouvelle, les remises en question. Mais on a envie de revivre quelque chose de différent. Donc c'est génial. Vous repartez hein, sur de bonnes bases. Faut pas vous laisser aller. Parfois, il y a des moments de déprime chez vous. Hein. Beaucoup. Faut pas lâcher ça. Faut lâcher ça. Il faut pas vous laisser aller à cette déprime parce que il y a le renouveau. Avec le temps va vous aider à vous reconstruire, à vous donner toute l'énergie pour repartir sur un nouveau cycle. Donc c'est bien puisqu'on a le battleur avec l'ermite. L'ermite vous apporte les solutions pour repartir sur un nouveau cycle. Donc vous êtes encore marqué par cette cassure. Hein. Vous êtes encore, c'est encore très présent dans votre cœur, ça. Hein. Cette blessure. Donc on a l'épine là qui est bien plantée dans le cœur, mais malgré ça. On a quelque chose qui s'ouvre avec une véritable libération et vous allez repartir sur de nouvelles bases. Non, moi j'ai un nouvel équilibre sur vous. C'est super. Ça sera toujours avec lui ou... Alors comment il s'appelle lui ? Thierry. Il est plus jeune ou pas ? Il paraît pas très mature. Il est plus jeune que vous ? Ah non, il est plus vieux. Alors, il est mature. D'accord. Alors, Muriel. Merci Vianney. Parce qu'on me parle dans l'oreillette. Alors, l'évolution. Il est compliqué, lui, dans sa tête, hein ? Vous êtes là ? Ouais. Oui, un peu, ouais. Il est un peu perdu, quoi. Moi, j'ai pas envie que ce soit... Bon, il revient, lui aussi, mais bon, c'est pas... Je pense que il pourrait y avoir un... Vous aurez un choix à faire entre lui et quelqu'un d'autre, en tout cas. Voilà, ça, c'est plus exact. D'accord ? Ah bon ? Ouais. Il y a aussi un choix parce qu'on a l'amour en milieu de jeu, là. On arrive à une croisée de chemin. Vous les voyez, les cartes ? Non ? Oui. Sur l'écran. On a l'amoureux ici. Le milieu de jeu, c'est votre influence, c'est votre épée de Damoclès, ça. Alors, effectivement, il est là, lui. On a un retour, mais il y a aussi un choix à faire. Recommunication, c'est vous qui décidez, puisqu'on a la justice, là. Mais on peut repartir sur de nouvelles bases. Mais il y a aussi une jolie rencontre, ici, regardez. On a le soleil sur l'amoureux. Donc là, il est très possible que vous ayez un choix à faire. Par contre, lui, il n'est pas encore tout à fait bien dans sa tête, hein. Il est abîmé par plein de trucs. Je sais pas, il y a des doutes, il y a des trucs. Faut arriver. Peut-être que le temps peut aplanir les angles entre vous. Hein. Faut l'aider, peut-être. Hein. Comment ça se passe ? Ouais. Essayez de l'aider, de parler, quoi, quand vous allez redémarrer. Ouais. Et bien alors ? Oui, votre dynamisme, ma petite Muriel. J'en ai perdu pas mal. C'est vrai, hein. C'est dur, hein, de reprendre confiance. Ouais, c'est dur, ouais. Et je voulais vous demander aussi, si c'est possible, j'attends un dossier administratif. Oui, dites-moi vite, parce qu'il faut qu'on coupe, dites-moi, oui. Ouais. Pour savoir si ce sera positif ou négatif. Alors, un dossier administratif, je vais essayer de vous répondre comme ça. Est-ce que Muriel a une réponse de ce dossier, positif ou négatif ? On va voir ce que ça donne, parce que Muriel... C'est très important pour moi. Alors, ouais, moi je pense qu'il y a, il y a du retard, ma pauvre. C'est encore super. Ça fait longtemps que vous l'attendez, ce truc ? Oui, oui, oui. C'est peut-être ça, alors. C'est peut-être le retard qu'on a eu là. La maison de Dieu, le triomphe. Oui, il y a une protection. Ça finit par aboutir quand même. Donc vous aurez une réponse positive quand même relativement rapidement. Je dis relativement parce que c'est pas immédiat, quoi. J'ai encore un peu d'attente. D'accord, Muriel ? Il y a encore de l'attente. Un tout petit peu d'attente. Mais vous inquiétez pas, ça marche quand même. De toute façon, le résultat est positif. D'accord ? Vous nous racontez, hein ? Je vous fais plein de... Vous nous raconterez. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse, Muriel. Gardez confiance en vous. D'accord, merci. À bientôt. À bientôt.
Au revoir. Alors, il est 0h20, vous êtes dans votre émission Voyance à la Une, je suis Solène Réveil, 32-55 pour me poser toutes vos questions, nous sommes ensemble jusqu'à 1h10 du matin. Je crois qu'il y a quelqu'un en ligne, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Sophie. Sophie, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Ah, chouette. Alors moi je vous appelle parce que je vous ai eu, je ne sais plus, c'est au mois d'octobre ou novembre. Ouais. Et vous m'avez dit que j'allais faire une grande rencontre. Oui. J'ai fait une rencontre, ouais. Un grand coup de cœur. Ouais. Et je voudrais savoir si c'est vraiment la bonne personne ou pas. Vénarde que vous êtes. Je suis jalouse. Vous m'appelez d'où ? Je vous appelle du Val-de-Marne. Et quelle est votre date de naissance ? Alors, moi, je suis née le 8 juin 65. 8 juin. Donc, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ma pauvre, je compte sur mes doigts, c'est une horreur. 9 et 1, 10, cycle 1. Voilà. Et lui, il s'appelle comment ? Alors, lui, il est né le 8 mai 1964. Ouais. Et alors, un truc encore hyper spécial, j'ai quitté quelqu'un il y a 6 mois, ils sont nés le même jour. Et c'est quelqu'un que j'ai eu beaucoup de mal à quitter. C'est très bizarre. Ouais, ça c'est des trucs de dingue. Moi je pense que c'est pas par hasard tout ça, tout est lié quelque part, c'est drôle. Hein, ah oui, non mais ça m'a fait bizarre. Comment il s'appelle lui alors, alors celui que vous venez de rencontrer, votre coup de cœur. Ah, mon gros coup de cœur, c'est Didier. Didier. Oh, quand vous prononcez son prénom, j'ai des frissons partout. Alors... Sophie et Didier, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est le bon ? Sophie ouais. Et Didier. Il fait de la musique, lui ? Pas du tout. Oh, c'est dommage. Il est en pleine procédure de divorce, en plus, c'est très compliqué de son côté. Ouais. Ouais. Ça, c'est moins rigolo. Par contre, c'est excellent. Vous avez un super jeu, là. Révélation, remise en question soudaine. Il vous voit comme un rayon de soleil, comme quelqu'un de... Vous lui apportez beaucoup de force. Ah ben, j'espère. Ouais. Il vous le dit pas, ça ? J'espère, en tout cas. Oui, il va vous le dire. Il va vous le dire. En plus, il y a des changements dans son boulot aussi. Il y a des décisions à prendre par rapport à son boulot. Alors, attendez que je regarde. Ses cheveux, je ne sais pas comment les mettre, mes cheveux, ma pauvre. Alors. Alors, des décisions dans son boulot, il y en a eu en plus. Ah. Il y en a eu il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours. D'accord, bah c'est ça. Mais qui n'ont pas avancé, en fait, qui n'ont pas abouti. Mais il y en a peut-être d'autres derrière. Si, il y en a d'autres qui vont bouger. Il y a autre chose derrière, je le sens, là. Il y a un aboutissement et quelque chose d'important. C'est excellent. Une histoire de revirement de situation, de déplacement, mouvement. C'est pas mal, ça s'ouvre. On a des moments de doute parce qu'il ne sait pas comment il va établir les choses, quoi. Il y a une espèce d'instabilité matérielle plutôt. Oui, 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 tout à fait. Et il marche un peu sur des œufs, là. C'est un peu délicat, on ne sait pas. On ne sait pas, mais par contre, il y a un tel enthousiasme autour que c'est fabuleux, quoi. Là, avec ça, on peut tout dépasser, parce qu'ici, remise en question soudaine, mais j'ai le soleil. Sur vous, choix, décision à prendre, les choses se font très, très vite. On a le mat, la force. Donc, les événements de la vie vont vous rapprocher. Il va se passer plein de trucs sympas, en fait, vous allez voir. Et mis bout à bout, on a l'aboutissement, votre histoire se construit. C'est excellent. Moi, je dis bravo. Ouais. Ah ouais, c'est super bien. Alors, super. Je pense sincèrement, par contre, si vous pouviez voir, mais je pense que dans sa rupture, dans son divorce, ça va être très long. Je pense que dans le temps, ça eh ben, c'est pas si évident que ça, vous voyez. Ah bon? Ah ouais. C'est... Je vous dis, je vais revérifier, mais vous allez vivre des tas de trucs un peu surprenants, vous allez voir. C'est pas une catastrophe. Il peut y avoir, ça peut sembler être pénible, parce que c'est lourd, parce qu'on croit, on ne sait pas, en fait, on ne sait pas comment gérer les trucs, etc. Oui, c'est tout à fait ça, lui. Il est tout à fait dans ce genre de problématique, en se disant, je vais où, quoi. Ouais. Et là, pour l'instant, ça paraît inextricable, le truc, on ne sait pas comment faire. Et puis, paf, tout se décante d'un coup, vous allez voir. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. Ça va bouger quand même assez vite. Alors, attendez que je regarde quand même, qu'on confirme. Oui, vous voyez, on a le changement, on l'a là, hein, le divorce, il est là, la cassure, la maison de Dieu ici. Les doutes, parce que c'est ce que je vous disais, on se pose des questions, on ne sait pas où on ne sait pas. D'accord. Ensuite, il y a la transformation, la mort, et paf, la solution vient d'un coup. Vous verrez qu'il divorcera très vite. Moi, je vous dis le contraire, il divorce super vite. Ah ben lui, il est motivé, mais... Non, vous allez voir, ça se passera bien plus vite qu'on ne pense. Ah, on a vraiment un aboutissement. On a eu beaucoup de lenteur, effectivement, parce que c'est les doutes. En fait, ce qui est lourd... C'est l'état d'esprit dans lequel on est. Et donc, comme on ne trouve pas vraiment le moyen, on est un peu là, on a l'impression d'être dans le désert et de ne pas savoir quelle direction prendre, quoi. C'est un petit si peu ça. Si vous parlez de lui, c'est tout à fait ça. Hein. Ah oui, ouais, non, mais... C'est mais, tout à fait ça. Mais par contre, bon, il s'ouvre, hein, les choses se mettent en place ici parce qu'on a la transformation, la justice. Donc voilà, c'est vraiment ça, le divorce est là. Et puis, on a l'évolution très soudaine, ça se fera très rapidement, très facilement. Par contre, il aura des moments d'angoisse, mais vraiment profonde, quoi. Ouais. Ouais, il y aura des moments très durs, psychologiquement, mais ça ne dure pas, vous inquiétez pas.
Non, mais j'espère être là pour lui. Voilà, mais je sais, Sophie, voilà. Que vous serez, vous êtes un amour, de toute façon. Alors, vous inquiétez pas. Gardez le bon cap. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Je vous fais plein de bisous, ma petite Sophie. Merci beaucoup, bonne soirée. Tenez-nous au courant, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 0h25 et 31 secondes. Solène réveille toujours 32h55 pour me poser vos questions jusqu'à 1h10. Donc, dépêchez-vous, parce qu'après, je rentre dans ma région et je ne vous verrai pas avant un petit moment. On a peut-être quelqu'un en ligne, allô ? Oui, bonsoir Solène. Bonsoir, quel est votre prénom ? C'est Denise. Denise, on s'est parlé déjà. Il y a une semaine, je ne sais pas si c'est vous qui étiez là, mais bon. Non, ce n'était pas moi. Donc, voilà. Alors, Denise, quelle est votre date de naissance ? Le 25 janvier 1961. Alors, 5, 10, 11, 12, 13, vous êtes en 4. C'est une année de stabilisation et vous allez rentrer en 5, qui est une année sentimentale. Vous m'appelez d'où, Denise ? De la région Rhône-Alpes, à Lyon. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vérifie pour vous ? Quelle est votre question ? Alors, ma question, c'est que j'ai connu une rupture qui m'a tellement meurtri tout récemment. Enfin, ça fait un an déjà. Et puis, la personne semblait très, très amoureuse et la rupture a été tellement brusque. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, je ne comprends toujours pas. Alors, c'est pour ça que j'appelle, parce que je n'arrive pas à passer vraiment à autre chose. Alors, quel est son prénom ? Il s'appelle Roland. Alors, Roland. Roland. Il est né quand, lui ? Le 20 mars 56. Il est en cycle 1, renouveau. Alors, Roland, il va passer en 2. Roland, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il est parti comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai l'impression, comme ça, sans avoir vu les cartes... Mais bon, j'ai l'impression qu'il a eu un passé dont il ne vous a pas parlé. Il y a peut-être eu quelque chose qu'il n'avait pas solutionné ou quelque chose qui traînait un peu. Un passé ou alors une histoire. Il y avait quelque chose de pas net derrière. Est-ce que quand vous l'avez rencontré, à l'époque où vous l'avez rencontré, est-ce qu'il était dans une période transitoire de sa vie ? Je ne sais pas. Je sais qu'il avait divorcé parce qu'il aimait beaucoup sa femme. Ouais. Mais c'est vrai quand même que je sentais qu'il y a... Il y a son enfance qu'il me disait que s'il me racontait, je comprendrais des choses, mais il ne m'a jamais raconté cet épisode de sa vie. Oui, il est resté un peu secret, quoi. Il est, oui, mais c'est ça. J'ai ce ressenti de zone d'ombre un peu sur sa vie où il n'a pas eu envie de vous raconter ce qui se passait, quoi. Donc, on a cette période de recul donc, qui n'est pas évidente parce que, du coup, il vous manque des données par rapport au problème. Donc, il est un peu mystérieux, ce garçon. Donc, il y a eu effectivement un truc dans le passé. Et puis, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Je crois simplement qu'il est comme ça. Il est construit comme ça. C'est quelqu'un qui n'est pas posé. Donc, oui. Des allées-venues, c'est le premier qui vous a fait ? Ils font le pitre derrière. Je ne vous dis pas, derrière la caméra. Est-ce qu'il y a déjà eu des séparations ? Oui, il en a connu d'autres, oui. Il y a eu d'autres séparations. Alors, non, mais entre vous deux, hein, des séparations entre vous, il y a eu plusieurs coupures. Ah oui, entre nous deux, justement, il n'était pas stable. D'accord. Parce qu'en fait, vraiment, oui, il le faisait, il partait 2-3 jours après, il revenait, et puis voilà... Je sentais qu'il m'aimait, mais justement, il y avait quelque chose, oui, voilà, il était instable un peu. Oui. Et il me demandait de l'aider et je tenais vraiment à l'aider parce que je l'aimais profondément. Moi, je pense que c'est ça. Il est, ma petite Denise, vous n'avez pas eu de chance parce que quelque part, il n'est pas complètement construit. C'est quelqu'un qui se pose sans arrêt beaucoup de questions, qui est dans le doute, il n'est pas sûr de ce qu'il est capable de vous apporter, etc. Mais il va revenir, il revient vers vous, il y a des changements de situation. La seule chose, c'est que même s'il revient, moi je trouve que c'est un peu dommage de vivre une histoire comme ça parce qu'il va vous déstabiliser alors que vous ne le méritez pas, quoi. Vous voyez ? Non. Oui. Donc essayez de... Pensez à vous, Denise, essayez de vous ouvrir sur quelqu'un d'autre parce que là, celui-là, c'est un peu la galère, quoi. Je suis embêtée hein, de vous dire ça, Denise. Vous ne méritez pas ça. Non, je préfère le savoir. Il revient, hein, ça c'est clair. Il va revenir, mais je vous dis, il est dans sa tête, il sait pas où il va. Quoi. Donc, il risque de vous faire revivre des moments d'instabilité encore. D'accord. Donc, promis, hein, mais, Denise. Vous... Mais je sais quand même que je pourrais rencontrer quelqu'un d'autre, moi, si, enfin, je ne sais pas. Hein.
Si moi, sur vous, il y a une autre rencontre, mais celui, il ne faut pas le laisser entrer dans votre vie, d'accord? Essayez de le maintenir un peu à distance, même si vous tenez beaucoup à lui, il n'est pas construit dans sa tête, ce sera toujours la galère, d'accord? Merci beaucoup, Solène. Denis, je vous embrasse bien, bien fort. En tout cas, je vous porte dans mon cœur, je vous souhaite beaucoup de bonheur, sincèrement. Je vous tiendrai au courant de la suite. Super, vous êtes un ange, je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup, bonne soirée. À bientôt, Denise. Alors, il est 0h30 maintenant, il nous reste un petit 40 minutes ensemble, donc 32h55 pour me poser toutes vos questions. J'entends un brouhaha derrière. Allô, allô? Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Martine. Vous avez démarré la machine à laver le linge ou pas? Non, non. Ah bon, j'entendais un bruit bizarre. Quelle est votre date de naissance, Martine? Alors, 01-02-1958. 5, 6, 7, 8, vous êtes en année 8. D'accord, c'est une année de préoccupation matérielle et vous rentrez en 9 pour 2013. Donc, l'année 9, c'est la dernière année du cycle. Là, on se débarrasse du superflu, on repart à zéro. Décidément, cette année 9. Alors, Martine, vous m'appelez d'où? De l'Ille-et-Vilaine, de Rennes. D'accord. Alors, posez-moi votre question. Ce serait pour savoir si je rencontrerai quelqu'un. Ben, c'est chouette, ça. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Alors. Moi, je pense que oui, j'ai quelqu'un déjà là. Il y a quelqu'un dans votre entourage, donc il y a quelque chose qui peut se faire très très vite. Oui, j'ai une rencontre soudaine. Ça va, vous, sur le, au niveau gynéco? Oui. Vous avez fait des examens et tout, vous surveillez hein, tout ça? Non? Pour le moment, non. Eh bien, il faut faire un examen gynéco. D'accord? Il faut le consulter. Alors, il y a peut-être un petit déséquilibre. Je n'ai pas trop le droit de parler de santé, mais je vous le dis parce que je le vois. D'accord? Oui. Il faut faire un petit examen annuel, bilan sanguin et puis frottis et tout ça, quoi. D'accord. Alors, en dehors de ça, j'ai un renouveau sur vous. Ici, on a le battleur, la transformation. On a, oui, moi j'ai d'excellentes données sur le plan sentimental. Regardez, on a l'étoile, la force, vous repartez sur un nouveau cycle. Il y a une jolie rencontre même. Hein. C'est vous qui doutez un peu, vous avez du mal à faire confiance, vous. Hein. C'est difficile pour vous de repartir dans une relation de confiance, non? Ouais, quand on a eu des échecs. Ouais, c'est un peu dur. C'est un petit peu dur, mais moi j'ai un joli renouveau sur vous. Il y a quelque chose de fort, non, non, très très bien, jolie passion, etc. Et après, ben, vous rencontrez quelqu'un très très rapidement, pour moi début d'année là. Quelqu'un de nouveau. Début d'année 2013, c'est bon? 13, ouais, tout de suite là, dans les 2 mois qui viennent, quoi. Dans le mois à peu près, quoi. Entre 1 mois et 2 mois, il y a une jolie rencontre. Quelqu'un avec qui ça se passera très très bien, avec qui vous échangerez beaucoup, mais... Quand on rentre dans une relation un peu stabilisante, après, on a vos doutes, on a beaucoup d'interrogations. J'ai l'impression que vous avez du mal, sur du long terme, à avoir confiance. Donc, il faut essayer d'apprendre à connaître l'autre, prendre le temps d'être plus sûr. D'accord, Martine? Oui, mais est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Est-ce que c'est quelque chose qui... Non, 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 c'est quelqu'un de nouveau. C'est un renouveau total. Mais c'est pour, à long terme ou c'est... Oui, ça a l'air d'être très bien. Ouais, ouais, moi j'ai c'est une jolie rencontre, une vraie rencontre. Voilà ma petite Martine, on arrive au terme de notre mini consultation. Tenez-nous au courant en tout cas, mais il y a une très très jolie rencontre. D'accord, je vous fais plein de gros bisous Martine. Merci moi de même. Merci, à bientôt Martine. Au revoir. Alors, vous êtes dans votre émission de voyance, Voyance à la Une. Nous sommes ensemble, il est donc 0h34 jusqu'à 1h10 du matin. Je suis Solène Réveil et votre émission Voyance à la Une, c'est tous les soirs jusqu'à 1h10 du lundi au vendredi. J'entends du bruit, il y a quelqu'un derrière. Allô, allô? Allô? Oui. Allô? Bonsoir. Oui, bonjour. Quel est votre prénom? Vanessa. On ne se connaît pas, Vanessa? Non, on ne se connaît pas non, du tout. Non, j'ai rarement eu ce prénom, c'est joli comme tout. Merci. Quelle est votre date de naissance? 20 janvier 86. D'accord, 5, 6, 7, 8. Vous êtes en 9, vous rentrez en 9, je veux dire, à votre anniversaire. C'est la dernière année du cycle, décidément, en ce moment. Hein. On en a quelques-unes, année 9. Ouais. C'est une année de transformation. En général, on se débarrasse du superflu pour se préparer pour l'année 1, qui est une année de renouveau. Donc, ce n'est pas forcément évident, mais c'est très important. Vous m'appelez de quel coin? Bordeaux. Ah, oh, génial, Bordeaux, génial, j'adore. Alors, Vanessa, qu'est-ce que je peux vérifier pour vous?
Alors, eh bien, je suis amoureuse d'un garçon. C'est terminé depuis 7 mois. Ouais. Et en fait, eh bien, je voudrais savoir si, si c'est mort ou si on va peut-être pouvoir se remettre ensemble un jour ou l'autre. Voilà. Comment il s'appelle ? Sébastien. Je regarde, attendez, sans prendre sa date de naissance, je regarde Sébastien et Vanessa. Est-ce que Sébastien revient vers Vanessa ? Est-ce que Sébastien revient vers Vanessa ? Alors oui et non, oui, je le vois revenir. Il est toujours dans les parages, lui, il est toujours. Il vous a pas vraiment lâché, lui. Vous êtes en contact avec lui ? Absolument pas. Il n'y a rien du tout, vous êtes sûr, il connaît quelqu'un non. de votre entourage ou un truc comme ça? On va dire qu'on a des gens en commun, mais ouais. pas vraiment des amis en commun. Mais on n'a pas de contact, hein, on ne se voit pas, on ne s'appelle pas. Voilà quoi, le contact entre lui et moi n'est pas possible. D'accord. Bon, il y a quand même quelque chose. Moi, je le vois revenir. Donc, on a l'étoile, il y a eu quelque chose qui a été super fort entre vous et paf, l'arrêt, la maison de Dieu, c'est un arrêt brutal. C'est une cassure un peu violente quand même, c'est hard. Parce que sur l'étoile, qui était une carte super bonne, on a la pire des cartes. Donc, c'est un peu hard. Mais derrière, on a une nécessité. Les cartes disent que... On ne pouvait pas faire autrement que de passer par cette coupure entre vous. Donc, c'était peut-être une nécessité de passer par là, parce qu'il y avait des choses qui devaient se rétablir, etc. Peut-être dans sa vie ou dans la vôtre, mais ce n'était pas le bon moment, la rencontre, vous voyez ? Après, d'accord. transformation importante ici, je ne sais pas si c'est vous ou lui, toujours pareil, on a une forme de mutation, de changement. On a le soleil, donc il y a des sentiments forts. Et ensuite, il y a un côté très spontané. Il va vous tomber dessus un peu par hasard, soi-disant, parce que moi, je le sens lié à vous quand même quelque part. Je ne sais pas comment, mais soit il peut se renseigner, savoir, ou je ne sais pas comment, mais j'ai un lien, malgré tout, entre vous, et je le vois revenir là. Et ensuite, on a un désir, on repart sur un rapport passionnel. Il faut essayer de dépassionner un peu vos rapports pour avoir des échanges un peu plus normaux. Vous voyez ? Ouais, donc en fait, je vais attendre qu'il revienne vers moi. Oui, moi, je pense qu'il y a un retour très, très rapide. Il y a quelque chose de très rapide. On a le battleur, le jugement, la révélation. Donc, c'est assez soudain. Donc, non, c'est pas mal du tout. Hein. Je pense qu'on est, on repart sur quelque chose de vraiment possible avec lui. Mais attention, parce qu'il y en a un autre aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui vous tournera autour en même temps. Vous aurez un choix à faire. Il y en a d'accord. un autre. Donc, c'est pas mal, en fait, dans une période plutôt positive, vous, hein, quelque part. Mais tant mieux. Hein. Attendez que je revérifie quand même. Sébastien, vous m'avez dit, hein. Oui, Sébastien. Sébastien et Vanessa, qu'est-ce que ça donne ? Sébastien et Vanessa, Sébastien et Vanessa, Sébastien et Vanessa. Ouais, j'ai le retour, c'est clair, hein. Il n'y a pas photo là. On a vraiment le retour, on a la passion, on repart sur de nouvelles bases ici, on a une certaine harmonie, vous allez discuter, beaucoup discuter pour retrouver un contexte d'harmonie quoi, harmonieux quoi. Un rapport, des échanges plus équilibrés. Et ensuite, on est sur un revirement de situation dans les 30 secondes, les doutes sur les moyens. On se pose des questions, on ne sait pas trop comment, mais on retrouve un équilibre après. Et c'est marrant, il ne faut pas réfléchir trop. Et il faut vous laisser un peu de répit, il faut laisser la situation parler un peu d'elle-même, quoi. D'accord. Vous voyez, c'est un peu bizarre, votre rapport avec lui, mais dès qu'on réfléchit, qu'on rentre dans des trucs super lourds et tout, ça ne tient pas, quoi. Je sais pas, d'accord. il y a peut-être eu des choses à résoudre, lui, de son passé, quelque chose que vous avez eu du mal à supporter, non ? Ben en fait, je ne supportais pas ses amis ne me supportaient ah ouais. pas. Et donc, on va dire, ça a envenimé un petit peu notre relation. Ouais. Alors après, moi, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui de ses amis. Ça va être une coupure. Je ne sais pas sa vie, je ne sais absolument rien sur lui en ce moment. Bon. C'est vraiment 7 mois... J'ai eu quelques nouvelles, mais qui ont été brefs et qui n'ont ouais. pas forcément été bonnes lorsqu'on a eu l'occasion bon. De se revoir. Vanessa, je vais être voilà. obligée de couper. Ce n'est pas très poli, okay. mais on arrive. Il faut qu'on fasse une petite pause publicité. Donc, en tout cas, vous inquiétez pas, ça va revenir. Je vous fais un gros bisou, depuis Vanessa. 2013. Un gros bisou, ouais, très vite. D'accord. Bisous, merci. Bisous. À bientôt. Au revoir. Et on fait une petite pause tout de suite. On se retrouve tout de suite après. Pas longtemps. Surtout, n'hésitez pas à appeler le 3255 hein, en attendant mon retour. A tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Découvrez le
célèbre tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. Pour tout savoir de votre avenir et connaître ce que vous réserve votre futur proche, consultez sans tarder le tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Pour maîtriser votre avenir professionnel, mettez toutes les chances de votre côté en découvrant votre thème astrologique carrière sur astrocenter.fr. Consultez sans tarder votre thème carrière personnalisé sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. AstroCenter TV, la première chaîne 100% astrologie, tarot, voyance. Toutes les heures, votre horoscope, vos conseils du jour, des consultations, des tirages de tarot en direct. 24 heures sur 24, les meilleurs voyants se relaient pour vous conseiller par téléphone. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. L'oracle J'ai amour. Votre avenir amoureux enfin révélé et daté. Attendez-vous à des révélations surprenantes. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Après l'oracle J'ai amour, découvrez une autre exclusivité AstroCenter, l'oracle J'ai carrière. Des prédictions précises et datées sur votre avenir professionnel. Attendez-vous à des révélations surprenantes. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Amour, carrière, finance, nos consultants et tous les voyants et astrologues au grand complet répondent à toutes vos interrogations du moment par téléphone. Composez notre numéro pour participer à nos émissions ou tout simplement pour consulter un de nos spécialistes de chez vous en toute tranquillité. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Pour maîtriser votre avenir professionnel, mettez toutes les chances de votre côté en découvrant votre thème astrologique carrière sur astrocenter.fr. Consultez sans tarder votre thème carrière personnalisé sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Après l'oracle J'ai amour, découvrez une autre exclusivité AstroCenter, l'oracle J'ai carrière. Des prédictions précises et datées sur votre avenir professionnel. Attendez-vous à des révélations surprenantes. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Me revoilà mes amis, il est 0h43 et 25 secondes, je suis Solène Réveil dans votre émission Voyance à la Une, je suis avec vous jusqu'à 1h10 du matin. Voyance à la Une, c'est du lundi au vendredi, de minuit, minuit 10 à 1h10 du matin. Voilà, donc pour me poser toutes vos questions, c'est le 32 55, n'hésitez pas à appeler. Je pense qu'on a peut-être quelqu'un en ligne, allô, allô. Quel est votre prénom? Bonsoir. Bonsoir Solène, c'est Christine. Christine, vous m'appelez du Nord, non? Non, pas du tout, je vous appelle de Marne-la-Vallée. Ah, Marne-la-Vallée, d'accord. Voilà. C'est en banlieue parisienne, ça. Voilà, mais je suis originaire de Biarritz. Biarritz. Voilà. Ça va faire plaisir à Vianney, là, que vous ne voyez pas, mais que je vois, là. Alors, Christine, quelle est votre date de naissance? Alors, 17 août 56. 17 août, ça fait 7 et 7, 14, 15, 21, année 3. Et vous rentrerez en 4 l'année prochaine, stabilisation. Posez-moi votre question, Christine. Et mais moi, c'est surtout d'ordre professionnel. Oui. Ben, je voulais savoir, ben, je galère beaucoup pour trouver du travail en raison de mon âge et de mon cursus professionnel. Et voilà, donc je m'inquiète un petit peu parce que ben, pour quand est-ce que j'ai repris du travail et... Alors. Est-ce que... On a quelque chose de rapide. Moi, j'ai un travail, j'ai une activité rémunérée, j'ai une formation rémunérée.
Ça fait plutôt école, ça, formation ou un truc comme ça, mais rémunéré. Ça ressemble à un travail dans lequel vous allez apprendre quelque chose d'un peu différent. Ça peut être un travail nouveau et du coup qui vous permette de passer par un stade comme ça d'apprentissage entre guillemets quoi. Il y a un truc super rapide, hein, hyper rapide. Mais dans quelle activité? Parce qu'une formation. Pas très bien, mais... Alors, attendez que je regarde. Alors, moi, j'ai la notion de grande rapidité. Ça vous tombe dessus assez vite, là. Ça peut être un contexte... Est-ce que vous avez eu un rapport, vous, de près ou de loin, avec le milieu médical ou paramédical ou un truc avec la santé? Ah, pas du tout. Jamais, hein? Ça peut être un truc différent, parce que moi, j'ai une période d'apprentissage ou d'école, ici, là. On a l'impression que c'est une formation, donc on vous propose quelque chose de différent très vite, là, tout de suite. Et il y a une libération parce que vous allez vous sentir mieux, quoi. Ça va vous rassurer, etc. En plus, financièrement, c'est super bien payé. Alors ça, par contre, c'est excellent. Et vous le faites, quoi. Donc c'est difficile, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas la donne là, sur ce que vous allez faire. Je vais essayer de prendre 3 cartes d'influence pour voir ce que ça donne, si on a le temps. Ah oui, parce qu'il n'est pas question ni de formation, ni de... Parce que là, je suis presque en fin de période d'indemnisation. Oui, d'accord. Alors, attendez, je regarde. Mais c'est pour ça que j'ai un truc rémunéré, moi. On va vous proposer tout de suite, là. Moi, ça n'attend pas. Hein. C'est très, très rapide. Un contexte différent. Mais ça ressemble à une activité de formation rémunérée. J'ai un peu les deux. J'ai l'école et les finances. Donc, c'est rapide. Elles ne me répondent pas. J'ai tout de suite l'amoureux ici avec le soleil, la force, donc c'est quelque chose qui vous fera très très plaisir. Ça peut être un contexte que vous avez connu, mais c'est quand même assez différent puisque vous apprenez, puisqu'on a l'école quoi. Alors les finances, c'est excellent, sur le plan financier c'est excellent. Franchement Christine, il y a un super truc qui arrive, vous inquiétez pas. Là vraiment c'est que du billard, vraiment que et du facile. Quelle activité? J'ai pas eu la réponse dans mon jeu là, sinon je vous l'aurais dit. Donc je peux pas vous dire, c'est différent de ce que vous avez fait avant en tout cas. Voilà, Christine, la réponse que j'ai eue dans les cartes pour vous. Donc, nouveau travail rapide et génial. D'accord? Oui, dans combien de temps vous voyez ça? Rapide, je vous l'ai dit, plusieurs fois. Ouais. C'est super rapide. D'accord. Vous nous tenez au courant, Christine. Je vous fais un gros bisou. Merci, au revoir. Plein de bonnes choses, à bientôt. Bonne continuation, au revoir. Merci, Christine. Vous aussi. Alors, il est 0h47, je suis Solène Réveil, 32-55 pour me poser vos questions dans votre émission Voyance à la Une. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom ? Myriam. Ça va Myriam ? Vous avez l'air super angoissée. Oui, je suis super angoissée. D'abord, en fait, je vous appelle. D'accord. Dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive ? C'est pour savoir, pour mon chéri, parce que ça fait quand même 5 ans qu'on est ensemble. Et ça bout à rien, parce que lui, qu'il me quitte tous les 6 mois pour aller en Espagne pour ses papiers, vu qu'il est marocain. Et c'est pas simple pour moi et c'est pas simple pour lui. D'accord, je comprends bien. Vous m'appelez d'où, Myriam ? De Dijon, dans 95. Quelle est votre date de naissance ? Le 5-10-1970. 5-10-11. Il s'appelle comment, lui, son prénom ? Jamal. Alors, Jamal. Hop, je regarde. Jamal et Myriam. Jamal et Myriam. Quelle est l'évolution entre lui et vous, quoi, en fait, hein ? Oui. Jamal et Myriam. C'est pas si mal que ça, curieusement d'ailleurs, ça me surprend, mais c'est pas si mal que ça. Parce que j'ai l'ermite en départ, on est dans une situation d'attente, encore un tout petit peu. Attendez que je regarde. Jamal. Ouais, moi j'ai le monde quand même sur l'attente, donc une certaine harmonie. On a quelque chose de... Il y a quelque chose qui s'arrange quand même. Hein. Et je ne dis pas ça pour vous rassurer, Myriam. C'est vrai. Hein. Vous avez un très bon jeu, là. Je n'ai pas entendu ce que vous m'avez dit. Ça me fait chaud au cœur parce qu'il y a un qui veut me séparer de lui et que j'aime énormément et que lui, je sais qu'il m'aime. Vu qu'il me le prouve chaque jour, même si on a du mal à aboutir à quelque chose ensemble. D'accord. Avec Jamal ? Oui, avec Jamal. Moi, j'ai de bonnes données. Il faut essayer de vous retaper parce que ça vous fragilise drôlement. Je ne vous sens pas bien du tout, là. Oui, c'est vrai, c'est fragile parce que vu que j'ai perdu ma mère, j'essaie de m'en remettre. Et vu qu'il essaie de m'aider aussi à prouver
qu'il est là pour moi, justement, vu que j'ai perdu ma mère il y a 3 ans. J'ai fait comme j'ai dit, j'ai appelé un voyant pour savoir si ma mère allait s'en sortir, elle pouvait pas me le dire. Et j'ai su un mois après qu'elle était morte. Donc ça m'a fragilisé avec ma relation avec lui. Et j'ai un peu peur de le perdre, c'est ça qui me fait peur. Non, moi j'ai pas de mauvaise carte sur vous du tout. Donc de toute façon, vous êtes dans un cycle de renouveau, c'est normal que vous ayez tout ça. Ne vous inquiétez pas, les choses. Il faut vous retaper la santé un peu, vous ressaisir. Moi, j'ai quelque chose qui bouge dans le bon sens ici. On a une période qui a été un petit peu longue et difficile, mais moi, j'ai un renouveau. Et non, les choses s'arrangent. Apparemment, il a l'air de retrouver un nouvel équilibre et tout. Vous faites pas de soucis, hein. Ne vous mettez pas dans des états pareils pour rien. Enfin, je dis pas que ce que vous avez vécu était rien. Je dis que dans l'avenir, votre situation s'arrange. Et donc, il faut justement que vous soyez prête à les vivre, ces jolies choses à venir là. D'accord ? Ok, pas de Myriam, je vous promets que c'est bon. D'accord ? Merci, c'est gentil. Je vous embrasse bien fort et gardez le moral. Essayez de garder la patate, au moins pour Jamal. D'accord ? Ok, pas de souci. Je vous embrasse bien fort. Moi aussi, au revoir. À bientôt. À bientôt. Alors, si comme Myriam, vous avez des questions à me poser, surtout n'hésitez pas, le 32-55, vous êtes dans votre émission Voyance à la Une, je suis avec vous jusqu'à 1h10 et le temps passe super vite. Après, je retourne dans ma région et je ne vous verrai pas, alors vous me manquerez beaucoup. Donc, je pense qu'on a peut-être quelqu'un en ligne d'ailleurs. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Nelly. Nelly, hein. J'en ai pas beaucoup des Nelly. Vous allez bien ? Voilà, pas trop fort. Ah, quelle est votre date de naissance, Nelly ? Alors, le 3 avril 69. D'accord, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cycle 3, vous rentrez en 4. Vous êtes dans un très bon cycle numéro, pourtant. Alors, Nelly, qu'est-ce que je vérifie pour vous ? Ben moi, ça fait à peu près 6 ans que j'ai des problèmes. J'ai perdu ma maman il y a 6 ans. J'ai une fille qui s'est mariée un an après, qui a divorcé au bout d'un mois. Ouais. Ils seront mariés 2 ans après. Elle est toujours avec le même, mais ça va pas trop fort, j'ai pas trop de nouvelles. Ouais. Et au niveau avec mon compagnon, que ça fait 25 ans, le père de ma fille, là on s'entend de moins en moins. C'est pour savoir ce que ça va devenir avec lui. Voilà, avec lui, avec les enfants aussi, parce que je pense que j'ai plus trop de contact non plus avec mes filles. Je regarde vos enfants en premier, les influences des enfants. Je fasse vite parce qu'il y a beaucoup de monde en attente et je voudrais pouvoir répondre à tout le monde. Je speed un peu, mais les enfants, le rapport. Moi, j'ai un retour. Alors, ne vous rendez pas. Alors, je sais que c'est pas dans votre nature, Nelly. Vous vous posez beaucoup de questions. Laissez un peu les enfants de côté. Apparemment, regardez, on a un retour. Donc, les choses changent. Ils sont en plein changement les uns et les autres là, autour de vos enfants là. Donc, quand ils seront un petit peu plus à l'aise, ils reviendront vers vous. Laissez ça de côté. N'allez pas vous empoisonner la vie avec ça. D'accord ? Il y a un retour, Nelly. Puis je ne vous dis pas ça bêtement, c'est vrai. Il y a un retour. Alors, comment s'appelle votre amoureux ? Emmanuel. Il est un peu plus jeune que vous, lui, non ? Comment ? Il est un peu plus jeune que vous ? Non. Ah. Non, plus âgé. D'accord. Alors, je regarde. Emmanuel et Nelly. Emmanuel et Nelly. Vous êtes dans quel coin, en fait ? Je ne me rappelle pas, si vous me l'avez dit. Ça. D'accord. Ouh, vous avez une cathédrale magnifique, là-bas. Oui. Une Vierge noire, là, Chartres, splendide. Alors. Oui. Alors. Bon, il y a beaucoup d'interrogations. Effectivement, on se pose des questions, on se demande si on continue ou pas. Il y a quand même un lien assez fort entre vous, hein. Oui, oui. Si, si, il est très attaché à vous, lui. Oui, oui, je pense, oui. Mais c'est vous qu'on avait un peu marre, non ? Oui. Parce qu'on a une position de recul, quelque chose, vous avez besoin de vivre des choses plus intenses. En fait, vous êtes frustré par plein de trucs et du coup, lui, il ne vous apporte pas la nourriture, je dirais entre guillemets, affective. Vous voyez ? C'est ça qui fait que c'est dur à vivre. C'est ça qui fait la difficulté de votre relation. Vous voyez ? Mais quand même, il est attaché à vous. Moi, j'ai quand même quelque chose de fort. On a des choix, des décisions à prendre pour vivre des choses plus intéressantes. Vous allez partir en voyage avec lui. Il y a un petit déplacement voyage, là. C'est prévu ? Oui, c'est prévu, oui, pour les fêtes. Ouais, bah c'est génial, c'est chouette ça. Vivez-le. Laissez de côté les ennuis, Nelly. Laissez de côté les enfants et tout ce qui ne vous sert à rien pour l'instant. Vivez le moment présent. Vous avez besoin de vous reconstruire affectivement, hein, le moral et tout. D'accord ? Voilà, ouais. Moi, j'ai d'excellentes données. Je ne vois pas de galère. Vous inquiétez pas. Ben, je vous remercie beaucoup. Nelly, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite que du bonheur. Moi aussi, au revoir. Que Dieu vous garde, en tout cas. Merci je vous embrasse beaucoup. Bien fort.
Alors, il est 0h55. Si comme Nelly, vous avez des questions à me poser, le temps passe en supra vite, hyper vite, n'hésitez pas, 32 55, je suis Solène Réveil avec vous jusqu'à 1h10. Allô, allô ? Allô ? Allô ? Bonsoir, quel est votre prénom ? Véronique. Ça va, Véronique ? Oui, ça va. Bon, super. Quelle est votre date de naissance ? Alors, le 11 avril. Oui. Oui. 11. Vous êtes en cycle 2 et vous allez rentrer en année 3, qui est la meilleure année du cycle, Véronique. C'est chouette, ça. Vous m'appelez d'où ? Bon. De Nice. Ah, bah c'est chouette, le Sud revient en force. Génial. Alors, Véronique, qu'est-ce que je vérifie pour vous ? Eh bien, en fait, j'ai besoin vraiment d'un réveil. Je suis là. Comme vous appelez Solène c'est... Réveil. Exactement. Voilà. Vous avez trouvé la personne qu'il vous fallait. C'est tip top. Voilà. Voilà, tout à fait. Hop, j'essaie de faire rire un peu parce que les gens, je vois, ont énormément de problèmes. Et bon, enfin, moi, je voudrais un renouveau. Ouais. Donc, tant mieux pour l'année 3. Ah oui, c'est la meilleure année du cycle. C'est génial. Oui. Et si c'était possible de voir, surtout du point de vue affectif. D'accord, alors je regarde voilà, ce que j'ai. Voilà, de l'amour, parce que depuis 8 ans, je n'ai personne. Alors ça, c'est pas normal, ça. Non. C'est parce que rigolote comme vous êtes et tout, c'est pas normal, ça. Oui, c'est vrai, mais j'ai tellement... Oui, ouais. C'est le tabac, vous les faites fuir avec votre fumée, non ? Oui. Ah, c'est ça aussi. Non, c'est pas... Je fume, c'est vrai. Mais... non, mais c'est parce que je suis très entière et j'ai trop aimé et mal aimé. Ouais, ma petite Véro, je suis obligée de faire vite. Moi, j'ai d'excellentes données. J'ai un renouveau ici, on a le battleur en milieu de jeu. J'ai le triomphe, j'ai une super rencontre. J'ai vraiment une super rencontre. Regardez le jeu, je ne sais pas si vous pouvez voir les cartes là. Oui, oui. On a le battleur ici qui est un renouveau. C'est quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas. Le battleur, c'est la nouveauté. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, c'est possible. Ici, on a le triomphe. Donc, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vient. Ce n'est pas vous qui faites la démarche, c'est lui qui vient tout seul en plus. Donc, c'est quelqu'un qui est prévu. Quand on a la justice comme ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Donc, il arrive, on a le triomphe là, en premier. Donc, vers le mois de février-mars à peu près. Entre février-mars, par là. Oui. Peut-être avant, parce que moi, les dates, il faut se méfier. Mais en tout cas, je sais que c'est rapide. On a quelqu'un qui arrive là. Et très vite derrière, regardez, on a la relation de couple stabilisante avec le pape. Et le soleil, c'est le bonheur. Donc, vous êtes faite pour ça. Vous êtes pleine de vie, pleine de joie, pleine de... Donc, pour vous régaler en plus, vous aimez la vie. Donc, il faut avoir confiance. Il faut reprendre confiance. On a l'étoile. Regardez ce qu'on vient de mettre là. Vous avez l'étoile sur le battleur. Donc là, il y a le triomphe sur vous. On a parfois des moments d'angoisse et des moments de doute liés à ce que vous avez pu vivre avant. Oui, oui. Et après, en plus, il y a eu quelques petites tracasseries matérielles, non ? Est-ce que vous avez des petits soucis ? Voilà. On est encore un peu dans cette période de doute à cause de ça. Ça vous sape un peu le moral par moment. Mais par contre, j'ai une super rencontre ici parce qu'on a le battleur, l'étoile. Ça, c'est génial. L'étoile, c'est la meilleure carte du jeu. Et après, très vite, on enclenche quelque chose de nouveau. Je me dépêche parce que j'ai Vianney qui me fait des grands signes. Il faut que je coupe. On a une relation de couple qui s'installe. Vous allez vivre quelque chose de très stabilisant, Véronique. Vous verrez. Je compte sur vous pour nous raconter. Hein. Ah oui, top, c'est que du bonheur. Vous allez faire plein de trucs différents, vous verrez, que vous n'aviez pas fait depuis longtemps. Vous allez découvrir un univers nouveau. C'est génial, Véronique, foncez. Je vais bien dormir, Solène. Merci. Ah, je suis contente. J'aurai un beau réveil demain matin. Ah ben, vous l'avez déjà là. Je suis pas jolie, mais bon, demain, vous réveillez déjà. Il y a au moins une prise de conscience, voilà. Merci beaucoup. Gardez confiance, Véronique, vous allez voir. Il n'y a pas de souci, c'est que du bonheur. Merci, Solène, à bientôt. Je vous embrasse, plein de bonheur pour vous. Au revoir, je vous embrasse. Moi aussi. Alors, il est 0h59, on est presque une heure dans votre émission Voyance Live. J'essaye de tout dire, tout compacter. Voyance à la une, pardon, voilà, je dis des bêtises, vous me troublez. Voilà, on est ensemble jusqu'à 1h10 du matin. Solène Réveil, c'est moi, et 3255 pour me poser toutes vos questions. Et on a peut-être quelqu'un en ligne. Allô ? Oui, allô ? Bonsoir, quel est votre prénom ? Bonsoir, Michel. Ça va, Michel ? Ça va, merci beaucoup, Solène, ça va. Vous m'appelez d'où ? Du Sud aussi ? Narbonne. Ah, ma petite Michel de Narbonne. Voilà. Oui. Quelle est votre date de naissance, Michel ? Le 24 avril 1957. Alors, c'est l'amour ou pas qu'on vérifie ? Oui.
15. Oui. 6, année 6, vous rentrez en 7 l'année prochaine. Alors, vous avez un prénom à me donner ou je regarde comme ça? Non, je n'ai pas de prénom à donner, non. J'ai une rupture il y a un an et demi avec Christophe. Ouais. Il est né le 11 avril 72. Et vous n'avez plus de nouvelles? C'est fini avec lui? Non, ça a été brutal. D'accord. Ça a été très brutal. J'ai fait la grosse dépression, c'était très brutal. D'accord. Donc là, pour l'instant, il n'est plus là, lui? Non, j'ai plus de nouvelles. Bon, on va regarder. Michel, qu'est-ce que vous allez vivre amoureusement? Qu'est-ce qui se passe pour Michel? Je l'oublie un peu, lui. On va voir s'il y a autre chose qui arrive. Oui. Vous l'aimez encore, ce... Non. Là, je crois qu'il est bien parti, là. Je crois que pendant un an, j'ai bien fatigué. Maintenant, je crois que... C'est plus la peine, non. Vous êtes trop gentil, Michel. Je recommence parce que là, vous avez un jeu. C'est lui que j'ai vu revenir. Alors, attendez que je recommence. Enfin, revenir, non, mais j'ai vu la rupture. Alors, qu'est-ce qui vient pour Michel, amoureusement? Qu'est-ce qui vient pour Michel? Voilà, on a la rupture ici, en début de jeu, la justice, la maison Dieu. Et vous rencontrez quelqu'un de génial. Chouette, je suis contente de pouvoir vous dire ça, Michel. Oui, merci. On a un renouveau. On est un petit peu blessé au départ. On est encore marqué par les blessures du passé. Il n'y a pas eu que lui. Hein. Il y a eu beaucoup de douleurs. Vous a mal aimé. Vous avez été mal aimé. Depuis l'âge de 20 ans, quoi. 21 ans que j'ai... Un an de divorce, ça avait été un an. J'ai divorcé. Un an de divorce, ça a été fini. 10 ans toute seule. Ouais. C'est reparti. Voilà. Ouais. Vous êtes tombé sur des gens un peu comme ça qui ne vous méritaient pas ou qui passaient un peu à côté de ce que vous êtes vraiment. Et vous avez tendance à vous sous-estimer, Michel, attention. Et du coup, vous côtoyez des gens qui ne vous correspondent pas, qui sont un peu en deçà de ce que vous êtes, vous voyez? Oui. Voilà, il faut faire attention à ça. Après, j'ai une autre rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un, il faut avancer tranquillement, il faut prendre votre temps, essayez de ne pas vous inquiéter, parce qu'il y a vraiment un potentiel de bonheur là derrière. Donc vous inquiétez, ne précipitez rien, prenez le temps de bien le découvrir, on a l'étoile, hein. Vous allez dépasser vos doutes pour vivre quelque chose de stabilisant. Vous le rencontrez début d'année et vous vous structurez un peu plus tard, vers le début des beaux jours, avril par là. D'accord? Oui. Mais c'est quelqu'un de nouveau, quelqu'un de différent, qui n'est pas du coin, qui peut avoir vécu un petit peu ailleurs, ouais. Ah bon? Oui, il y a une transformation importante, mais ça peut être très stabilisant. C'est génial, je suis contente pour vous. Je ne déménagerai pas quand même, je suis Narbonne. Oh, non, pourquoi vous voulez nous quitter? On est bien Narbonne. Non, je suis bien à Narbonne. Attendez que je revérifie. Est-ce qu'on a stabilisation? J'ai le temps? Non. Vianney me dit non. Alors, je coupe vite. Ouais, il y a un renouveau, vous inquiétez pas. Gardez confiance en vous, reprenez-vous. D'accord, Michel? D'accord. Plein de bisous. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très, très fort. Merci, je vous recontacterai. Merci avec beaucoup. Grand plaisir, je vous adore. Au revoir. Merci beaucoup. J'aime beaucoup votre petite voix. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors, il est 1h03, bien quasiment, là. Voyance à la une, c'est votre émission nocturne, jusqu'à 1h10 du matin, donc le temps passant vite. 32-55 pour me poser vos questions. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Françoise. Ça va, Françoise? Ça va. Bon, impeccable. Vous m'appelez d'où? De la Manche. D'accord. Quelle est votre date de naissance? 20 juin 1952. 26, 5, 5, 10, 11, 12, 13, 4 années stabilisation. Et 5 l'année prochaine. Vous rentrez en 5 qui est une année sentimentale, Françoise. Oh! Chouette! Oui. Les amours reprennent. Ah ouais, c'est bien ça. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Ouais. C'est le nerf de la guerre, ça, l'amour. Alors dites-moi. C'est-à-dire que je suis en retraite. D'accord. Et je voudrais reprendre une petite activité. Je vais reprendre une petite activité, de la vente par réunion, si vous voulez. Ouais, c'est sympa, ça. Je voudrais savoir si ça va réussir. Alors, est-ce que vous allez gagner un peu? Un petit peu, c'est pour mettre du beurre dans les épinards. Quoi. Ouais, maintenant, il faut pouvoir le faire. C'est tout un peu difficile pour plein de monde. Alors... Non. Oui, c'est un peu dur d'enclencher le truc. Vous le faites avec une amie? Il y a une amie, non? Une autre femme avec vous? Pour l'instant, c'est toute seule. Il y a quelqu'un... Mais peut-être que oui, ça sera peut-être avec une femme. Oui, ouais, il y a quelqu'un qui sera avec vous. Alors attendez, je vérifie. Oui, on a un petit temps... Vous allez hésiter beaucoup. Je ne sais pas, c'est un environnement un peu bizarre. Vous allez hésiter un peu. Il y a un truc, des moments de doute comme ça. Vous allez vous dire, est-ce que je peux le faire ou pas vraiment? Oui, voilà. Mm. Pour savoir... oui, j'ai peur de ne pas y arriver. Si. Oh, ça, la communication, nickel. Il n'y a pas de problème. J'ai le monde sur vous. Non, vraiment, hein? Oui. On a ce petit temps d'adaptation. Vous allez vraiment vous angoisser. Mais ça, c'est vous, ça.
C'est dans votre nature. Ouais. Ouais, c'est dans votre nature. Après, on a beaucoup de contacts, ça se passe super bien. Sur le plan relationnel, c'est excellent. Vous allez fidéliser en plus. Il y a des gens qui vous rappelleront. Enfin, ça a l'air de bien se passer. On a quelques zones d'ombre un peu sur les finances parce que c'est un peu irrégulier. Voilà. Ça va pas être un truc qui va rouler tout de suite. Ça se passe très bien au niveau du boulot en lui-même, mais vous aurez besoin de temps pour stabiliser la situation financière. C'est très bon. C'est bien quand même. Faites-le parce que ça porte ses fruits avec du retard. Mais ça porte ses fruits. Ça peut m'apporter que du bien pour moi aussi. Exactement. C'est excellent. D'accord, Françoise ? Ça permet de voir du monde. Ouais, ça va être génial. Bon, donc pour moi, c'est parfait. Ouais. Oui, oui, pour vous, c'est excellent. Et puis, ça vous fera beaucoup de bien au moral. Sur le plan relationnel, c'est top. Bon, bah, écoutez, je vous remercie, Solène. Bah, je vous en prie, ma petite Françoise. Plein de gros bisous. Mais moi aussi, bonne soirée. Merci, vous aussi. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, on arrive presque à la fin de l'émission. Il est 1h05. Je suis en train d'écouter en même temps. Alors, ça me fait 50 trucs dans ma pauvre petite tête. Alors, je vais prendre une dernière consultation. Allô, allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, Anna. Quel est votre prénom ? Régine. Jocelyne ? Régine. Roseline ? Régine. Oh, ça y est, on y arrive, ma pauvre, on y arrive. C'est la fin, c'est la dernière consulte. Non, mais en plus, ça sature, le son arrive très fort dans l'oreille. Oui. Alors, Régine, quelle est votre date de naissance ? 10. Ouais. 01. 10 janvier. 56. D'accord, une petite jeunette. 5, 6, 7. Impeccable, ouais. Merci, Vianney. Alors, vous êtes en cycle 7 et vous rentrez en cycle 8, qui est une année de préoccupation plutôt matérielle. Mm-hmm. Mais c'est pas une mauvaise année, attention. Hein. Mm-hmm. Régine, qu'est-ce que je vérifie pour... Vous m'appelez d'où déjà ? Vous êtes dans quel coin ? Des Côtes d'Armor. Oh, d'accord, super. Alors, qu'est-ce que je vérifie pour vous ? Ce serait une question familiale. Oui, dites-moi. Je suis en froid avec ma sœur. D'accord. Ma sœur aînée. Et j'aimerais savoir si un jour on se reparlera et si on n'aura pas la haine qu'on a toutes les deux. Oui. Si ça va se terminer, quoi. C'est triste, ma petite Régine. Ouais. Quel est son prénom, elle ? Comment elle s'appelle ? Danielle. Alors, Danielle. Elle est née quand, Danielle ? Au mois de décembre. C'est pas grave. Cherchez pas. Je regarde. Elle est dans la même région que vous ? Oui. Alors, Danielle. Est-ce que Danielle revient vers Régine ? Est-ce qu'on retrouve un équilibre, Danielle et Régine ? Est-ce qu'il y a un équilibre, Danielle et Régine ? Est-ce qu'il y a un équilibre ? Bon, discussion, passion, transformation. Il y a eu d'autres personnes qui sont mêlées de vos histoires, là, j'ai l'impression. Oui, sûrement dans la famille, oui. Ouais, il y a surtout autour d'elle, là, il y a quelqu'un qui est pas terrible, qui n'a pas facilité les choses, voilà. Mm-hmm. Alors, il y a un retour de contact, pourtant, je vois un dialogue, moi. Vous ne parlez plus du tout ? Non. Ben moi, je la vois revenir. Oui. Ben, je vous promets, en plus, hein, je ne dis pas ça bêtement pour vous faire plaisir, c'est vrai. Hein. Ici, on a la tempérance, la communication, le soleil. Oui, le soleil, c'est le bonheur. Non, il y a un truc qui revient là, vous allez voir. Hein. Oui, vous allez reparler ensemble. Oui. On a des discussions par rapport à des projets, des choses nouvelles. On a le triomphe, les passions. Vous vous aimez très fort, hein, toutes les deux, derrière. Elle doit être très malheureuse aussi, elle, hein, de son côté. Parce qu'après, on a la justice avec le mat, des choses un peu comme ça, soudaines. C'est-à-dire que vous êtes emballé sur des trucs, des passions, des choses un peu intenses comme ça. Mais derrière, on a quand même quelque chose de fort qui vous lie. Alors ça, c'est indestructible, hein, l'amour que vous portez l'une à l'autre. Hein, là, moi, je ne sais pas. Ah si, moi, je suis certaine. Attendez, je vais revérifier. Je la vois revenir assez vite même. Ça fait combien de temps que vous ne parlez pas ? Depuis le décès de maman, depuis juillet. Bon, ça va vite revenir. Je m'en doutais que c'était pas depuis peu, quoi. Alors, attendez. L'évolution, Régine et Daniel. J'ai une libération à venir, je vous promets. Alors, on a le fracas ici, effectivement, la maison Dieu. Mais derrière, j'ai l'étoile. L'étoile, c'est la meilleure carte du tarot. Elle aplanit les mauvaises cartes qu'il y a autour, hein, le mauvais rôle des cartes d'autour. D'accord. Donc, effectivement, un blocage. Donc, effectivement, on a la cassure, elle y est. Donc, je ne peux pas me tromper parce qu'on est vraiment dans le truc. Oui. Et les cartes nous le prouvent là. Après, il y a une remise en question soudaine. Elle va revenir vers vous, mais elle va prétexter un truc. C'est un peu détourné. Voilà, il ne faudra pas rater le coche, quoi. Oui.
voyez. D'accord. Mais elle va détourner, elle va contourner la situation pour reprendre avec vous. Donc au début, ça ne va pas être tout de suite le big love, quoi. Mais c'est sa façon à elle, peut-être un peu maladroite, de reprendre, quoi. Parce qu'elle est un peu orgueilleuse, un peu fière. Voilà. Bon. Oui. Mais cela dit, elle revient et très vite, vous renclenchez une relation. Mais faites toujours très attention, marchez sur des œufs en quelque temps avec elle, parce que c'est une blessure. Oui. C'est une blessure qui aurait duré un petit moment quand même. Hein, ça, je veux dire, quelque part, ça aura peut-être éveillé. Je veux dire, on sent qu'elle est blessée quand même, Danielle. Hein. Elle a un côté... Disons que je lui ai dit des choses pas très gentilles. Et quand je lui ai dit, je les pensais vraiment, quoi. Ouais. Alors, Mais bon, voilà, quoi. Oui, mais au moins, ça le mérite d'être clair, quoi. C'est peut-être... Il fallait que ce soit comme ça, de toute façon. Pour moi, il fallait que ce soit comme ça. Oui, puis bon, il vaut mieux comme ça. C'est un gros clash d'un coup, plutôt qu'un truc, qu'une relation poison qui s'éternise et qui est vraiment beaucoup plus profonde. Il y a eu un éclat comme ça, mais après, vous êtes sortis de cet éclat. On sort de ce poison pour réenclencher quelque chose de neuf, après tout. Mince, d'accord. Tant pis, c'est fait. Mais quelque part, vous repartez sur de nouvelles bases, oui. D'accord. Excusez-moi, autrement, elle ne va pas attendre des trucs en justice ou des trucs comme ça. Ah non, je vous promets que non. Non, je la vois revenir, vous inquiétez pas. Mais faites attention, dès qu'elle revient, allez-y doucement. D'accord. Voilà ma petite Régine, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, je vous souhaite plein de bonheur. Merci. Je vous embrasse bien, bien fort. Au revoir. Alors, mes amis, notre émission touche maintenant à sa fin. Je ne me parle pas en même temps parce que je ne m'en sors pas bien. Voilà. Écoutez, j'étais enchantée d'être avec vous là ce soir. Je vais devoir vous quitter maintenant, rendre l'antenne. Patricia Lasserre sera là à partir de demain. Patricia Lasserre, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est une très, très bonne astrologue, très bonne voyante. Elle est adorable en plus. Donc, vous allez vous régaler. Vraiment, ne ratez pas le rendez-vous de demain dans votre émission Voyance à la Une. Donc, Patricia sera là. On va y arriver. De minuit 10, donc entre minuit et minuit 10 jusqu'à 1h10 du matin. Voilà. Donc, écoutez, je vous embrasse bien fort. Merci pour ces moments d'intimité ensemble. Et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 pour notre nouvelle invitée dans Voyance à la Une. We'll be right back.